Africa Rise Cup 2024. Africa Rise Cup 2024. Africa Rise Cup 2024. Africa Rise Cup 2024. M'appelle Blood, team leader de Rage Fury Esports, de ville de l'île Maurice. It's your boy Bluff, Genius Esports, Côte d'Ivoire. Inala RB Bump, nachezea team ya Royal Blood inayotokea Tanzania. Bosalam guy, name the Malone Mighty. Next to Esports Senegal. Upcoming big events. Peace out. Drenté au terrain de tout grand patou. Merci, Jerejeff. Chenoua, t'achauffe pas, y'a j'aime. Apprenez-vous mal, mais. C'est le mindset. Et nous n'avons pas participé, monsieur Doubgane.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Map de ce soir, on commence avec Miramar pour le dernier lobby des qualifications pour les finales. On a des teams qui ont des points à rattraper et d'autres qui sont déjà pas mal. Trajectoire de l'avion. C'est pas mal.
on a du choix. Le Sénégal est déjà là pour soutenir son pays. J'ai aussi le Nigeria, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Allez, ça a déjà sauté. Ça va être chaud ce lobby ce soir. Il va falloir récupérer des points pour certains. J'en ai déjà qui ont atterri. Mais je pense que pour le premier match, ça va être tranquille, tranquille. En tout cas pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'aura pas de faillite. En tout cas, on aura le temps de faire le team des soirs. C'est ça même, Vanny. Ce soir, ce sera pas de la rigolade. Allez, on va faire vite fait le tour des teams. Ce soir, on a la dose au foire qui représente la Mauritanie. La dose Mauritanie qui a besoin de points ce soir et qui doit repasser au classement. J'ai le Niger aussi. Le Niger qui joue ce soir et qui a besoin de points. La Rachurine qui a rattrapé son retard hier. En tout cas. Mais qui doit garder la même allure pour s'en sortir au mieux. Tranquillement. Ça, c'est sûr. Comme tout le monde d'ailleurs. On a la Sainte aussi ce soir. La Sainte de Madagascar. Qui doit aussi remonter au classement. En fait, ce soir, il va falloir se battre. Le Nigeria, la Rachid Gaming, qui est bien dans le classement pour l'instant. J'ai la Côte d'Ivoire, qui a également besoin de points. En fait, j'ai un lobby qui va se battre pour remonter. Et ça va être chaud. J'ai le Nigeria aussi, la God of War, qui est bien remontée, qui nous avait fait pas mal de top 1 hier. La Ultima Rage, qui pour l'instant est dans le top 16, mais qui a besoin de points également. La TER, la Terror 6 Wakanda, du Botswana, oui, on a une team du Botswana. Le Botswana qui doit remonter aussi. Le Sénégal, la IoT, qui a besoin de points également. Et la X-Space. La X-Space d'Île Maurice. La X-Space d'Île Maurice qui, pour l'instant, nos problèmes. En tout cas, dans le classement, ça, c'est sûr. La Royal Academy qui est venue représenter le Gabon ce soir. On a la Somalie aussi ce soir. La seule team de Somalie. L'Esfor. La Somalia Force. Et la 10-11 du Nigeria. Eh ben voilà un peu le topo.
Let's go, IoT, j'entends dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, on est pas mal. Ça a déjà commencé à Rota. De l'autre côté. Allez, ça retard pour l'instant. C'est plutôt tranquille. Hein. Ouais, c'est tranquille. Ça va être chaud aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la 10-11? J'ai la Somalia Force qui vient de croiser le chemin de la 10-11. C'est bon, je suis de retour. Alors, du coup, j'en étais où? Oui, la Somalie. Vite, avant que le fight ne finisse. Oh là là, la Somalie. Avec la 10-11.
La Zoma, il y a 10-11 qui sont en train de se rentrer dedans. En train de perdre des joueurs de chaque côté. Mm-hmm. Ça réanime. Du côté de la Somalie. On est sur un fight hors zone. Pas avantageux non plus. Allez, on bouge sur le Sénégal aussi. Qui est en fight. Avec la ultima rage de Madagascar. Lucifer qui fonçait sur Ulrage Moon, qui s'est fait couvrir par Slay, qui était sur le dessus. Beast qui essaye de couvrir Yoté Dems, qui doit back. La Somalie aussi est en plein fight au contact avec le Nigeria. Oh, la greux, la jolie greux qui connecte. Et c'est fini pour la Somalie. La 10-11 qui récupère 4 kills. Ça commence à chauffer au centre aussi. Et oui, oui, oui. Allez, vite, on bouge sur le Niger qui entame un fight avec la dose au foire de Mauritanie. On a déjà 2 joueurs à terre. Du côté du Niger. On a réanimé. Line qui finit les kills. Ça pré-shoot. Les greux. De côté. Et Wick qui récupère. Headline. Fearline plutôt. Derline qui va direct au corps à corps. Crazy. Avec sa S12K. S12K du côté des Crazy Lan aussi. Oh. Le Niger qui vient de subir les balles des fusils à pompe. Et oui, oui, ça commence à devenir chaud au milieu de la zone. Allez, on va aller du côté du Nigeria entre la Rashid et la God of War qui sont sur les collines du Léonès. Oh, joli spray de Go Iconic. On va essayer de prendre l'aria. On décide de back. Non, finalement de prendre l'aria sur place. Le Iconic qui essaye de descendre. Tandis que Emma cover en spray. Pour empêcher la Go de redescendre. On a fini de rien. Allez, une autre zone qui bouge pas mal. Ça va pas mal
être compliqué dans la prochaine phase de zone qui ne va pas si tarder que ça. Ah, la TER, il va soit en rotation. La TER qui se fait spray. Ça rota pas mal. Les teams qui rentrent en zone. La situation va s'empirer dans quelques secondes. En plus, on a droit à la tempête. Super. Franchement, chaque fois qu'il y a la tempête, j'ai l'impression de sentir la poussière d'ici. Je sais pas si c'est parce que j'ai allergie à la poussière ou quoi, mais alors là, je la sens là. C'est terrible. Allez, allons voir un peu ce qui se passe dans notre saut de zone. Ah, il y a aussi ça du côté de la Rage Fury. Ah, ça a dû bouger. Ouais, ça bouge. Alors, où se situe la sainte? Ah, d'accord, la sainte. Un visu sur la Rage Fury. Sur la hauteur. Ah. Mais c'est quel team qui rota? C'est la Mauritanie. La Mauritanie qui vient de se placer en zone. L'ordre est là ce soir. C'est qu'on cherche des points. C'est très très calme. Quand c'est calme comme ça, ça nous dit oh mon dieu, ça va mal finir. Non mais regardez-moi ça. Pas de prise de risque des deux côtés. Mais ça va venir. Voilà la go qui vient d'arriver de l'autre côté. C'est l'ordre qui a un très bon visu et qui peut récupérer des kills. Attention à ne pas push trop vite du côté de la Rage Fury. Et voilà. On se fait spray par derrière. Et oui. La 5 qui profite pour récupérer des kills. La go. Oh. Un Fiaz. Avec sa petite greu. Peut faire mal. Hein. Sa Jiraya. Avec sa DBS. Ou sa S12K. Le son ressemble plus à une S12K. L'esprit du MP. RF Blinty. Tu tires sur qui?
poule. Il faut qu'on bouge. Il y a d'autres fights qui se passent. Allons voir du côté du Gabon. Le Gabon qui vient de finir avec le Botswana. La race qui vient se mettre dans un coin, un très mauvais coin entre deux teams. Entre la RAG et le Gabon. Quelle idée! Nous sommes dans le top 9. Et ça se frappe du côté des bords de zone. Qu'est-ce qui se passe sur la X-Space? Arrache Fury. Attention sur la hauteur. On a la RSG. Oh là là, Arrache Fury a des soucis. Une petite grue qui va faire la différence. Et oui, la S12K de Emma. Qui vient terminer avec la Rage Fury. Nous sommes dans le top 7. Ça se spray de partout. La Gosiris devant qui tente de bloquer la X-Space. J'ai la 10-11 sur le côté arrière, toujours hors zone. Le Gabon qui récupère des kills. Ça tire de partout. On essaye de récupérer la zone chez certains. Ça va être dur. Obligé de crash. On a perdu la 10-11. Avant de bouger, il va falloir trouver un bon coin. Parce que là, ça va être dur de regagner la zone. Il ne reste que RSG That Guy qui a réussi à survivre. Mais la zone est trop à découvert. Il va falloir crash. Et c'est Moon de la Ultima qui va en premier. Baragossi du Gabon bouge. Barak qui se dirige tout droit sur la dose au foie. Attention. Wow, la Ultima qui se prête sur la RAG. La Gosiris, lui, qui profite
pour récupérer des kills sur la Mauritanie. La Ultima qui se dirige tout droit sur la RSG du Nigeria. Oh. GG. Nous sommes dans le top 3. Il me reste le Gabon, la Mauritanie et la Madagascar. On a perdu le Gabon. On a 9 kills pour la Mauritanie. La Mauritanie qui doit récupérer des points. Joli spray de Redline. La petite grue de Slay. Wow. La grue qui connecte sur Redline. Une deuxième grue. Et ça push. Et c'est terminé. Nous avons notre top 1 pour la Ultima Rage.